Bienvenue à tous pour une nouvelle légende urbaine. Dans cette légende, on raconte que 6 amis, 3 garçons et 3 filles, s'en vont camper tranquillement dans le fin fond d'une forêt. Bien sûr, la nuit commence à tomber et ils décident de s'installer autour d'un feu de camp. Tout d'un coup, ils entendent « Feu, feu, joli feu, que ton âme disparaisse !» Et ils s'aperçoivent alors qu'un des 6 manque à l'appel. Ils pensent cependant qu'il est seulement parti aux toilettes et ils continuent alors à se raconter des histoires d'horreur. Quand soudain, ils entendent une seconde fois « Feu, feu, joli feu, que ton âme disparaisse !» Et il s'aperçoit qu'un autre membre manque à l'appel. Ils commencent alors à se poser des questions. Mais cela ne les empêche pas de continuer de se raconter les bonnes vieilles histoires d'horreur autour du feu de camp. Ils entendent alors une troisième fois « Feu, feu, joli feu, que ton âme disparaisse !» Et puis soudain, un cri. Là, ils commencent sérieusement à avoir peur, puisqu'ils ne sont plus que 3. Ils entendent à nouveau « Feu, feu, joli feu, que ton âme disparaisse !» Et un autre cri. Ils ne sont alors plus que 2. Ils décident alors de ne plus se quitter. Encore une fois, « Feu, feu, joli feu, que ton âme disparaisse !» Et une des filles se retrouve alors toute seule. Elle commence à avoir très peur et elle entend « Feu, feu, joli feu, que ton âme disparaisse !» Et c'est à son tour de disparaître. Le lendemain, cette histoire fit la une des journaux et l'on put lire que 6 jeunes gens partis faire du camping manquaient à l'appel. Lorsque la police est partie enquêter sur les lieux, elle découvrit 6 corps décapités. Puis, ils entendirent « Feu, feu, joli feu, que ton âme disparaisse !» Et un fou fonça sur eux avec un couteau.